Attention, il faut attendre le passage d'Alexei Voropaïev pour la Russie. Absolument, qui a actuellement une note de moins rentrée au placement. Alors regardez, il travaille près de la barre. La Chine est championne du monde, je pense, c'est certain, après le passage du dernier. Oui, Kovacs. Oh là 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 là. Beaucoup d'amplitude sur ce Kovacs, malheureusement, quelques millimètres. Que c'est dommage. Que c'est dommage, Voropaïev. Arkaev s'arrache les cheveux. La Russie va tomber du podium. Et pourtant, il suffit de Voropaïev, Yukov, champion d'Europe junior, Karbonenko, vainqueur de la Coupe d'Europe. Voilà l'échec de la Russie dans ce championnat du monde par équipe. À cause de cette chute à la barre fixe d'Alexei Voropaïev. Donc, qui repart, qui recommence. Depuis le début d'ailleurs. Ah oui. Et encore une deuxième chute. Ah, il était mal réglé. C'est fou. Mais quand on dit mal réglé, ça joue à tellement peu de choses. Regardez, il l'a dans les mains, il l'échappe devant. Et il en pleure. Regardez, il la prend. Et un tout petit relâchement dessous le fait lâcher. Que c'est dur, que c'est dur. La Russie perd une médaille. Aïe, et c'est un événement. Et il en pleure, le Voropaïev.